Ah, voilà, vive la fée électricité. Alors, bienvenue. C'est à nouveau un concert Arcis. J'insiste directement sur Arcis parce que sans Arcis, vous allez voir ce soir, c'est impossible. Arcis permet une autre chose. Il permet un collectif très soudé autour de l'idée que tous les enfants peuvent participer à de grands projets. Ce soir, ça n'est qu'un exemple de tout ce qui se fait cette année. Donc, on va juste commencer par un tonnerre d'applaudissements pour les plus bas. Le spectacle que nous vous propose ce soir, c'est le fruit du travail de quatre chorales, celle du collège Clémenceau, du collège Alimi, du collège Jeanne d'Arc et du collège Fénelon. On a travaillé pendant toute l'année, on a fait quatre grandes répétitions, grands effectifs durant toute l'année. Et ce soir, on a la chance d'être accompagné par des musiciens remarquables. Et vous allez passer, je vais vous dire quelques moments. Car si nous sommes dans un four, je vous jure que ce soir, nous n'en ferons pas. Je vous laisse profiter de ce beau moment avec tous ces jeunes gens qui n'attendent qu'une chose, c'est que je me taise. Thank you.
Thank you.
fonctionnaire chinois. Ouais. Oh,
ces choses. Allez, merci beaucoup pour ces superbes applaudissements. Nous, de notre côté, vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bien. Sachant qu'en plus, ça a été enfin une année sans masque, enfin quasiment tout le temps sans masque. C'est la première année où, pour nos chorales, on arrive à faire vraiment quelque chose de gros, qui soit fort depuis quelques temps. En tout cas, moi, pour Clémenceau, ça a été vraiment compliqué les deux dernières années. Je suis très très fier de ce qu'on a pu faire avec Arcis, que je remercie, parce que clairement, ça ne peut pas exister sans une association comme celle-là. Merci Dominique Théry, notre inspectrice, qui la soutient. Merci. On remercie les partenaires qui font aussi que cela puisse fonctionner, parce que ça coûte de l'argent, vous imaginez bien. C'est le nerf de la guerre, j'en sais quelque chose de mon côté. On remercie donc le Crédit Mutuel Enseignant, en la personne de Jacques Mitronet. On remercie la On va forcément remercier nos chefs d'établissement, parce que des chorales comme celle-là, ils continuent aussi de venir dans le quotidien. Merci tout particulièrement Madame Lindé, la principale du collège Clémenceau, qui nous a donné accès à la salle polyvalente 4 fois dans l'année pour faire les répétitions générales. On va parler des musiciens, on va d'abord parler du premier d'entre eux, celui sans qui le concert n'existe pas. Ronan Beaucher, s'il te plaît, Ronan. C'est lui, l'arrangeur. Donc c'est lui qui a pris toutes ces chansons que vous connaissez. Il est trop fort. Ah, il est trop fort. De toute façon, moi, c'est pas compliqué, je ne travaille pas sans un arrangement de Monsieur Beaucher ou un arrangement acheté par Arcis. C'est très clair, l'année prochaine, là où il ira, je serai. Il écrit super bien pour les voix, c'est admirablement bien écrit, c'est remarquable, et en plus, il a composé 2 chansons. Il y a 2 chansons, Kabul Kinshasa et Kingston, qui sont des compositions personnelles. Laurent et Caroline, venez nous rejoindre. De considérer qu'il y a des envies de chacun dans tous les collèges de faire des gros projets, mais que chaque projet séparément, ça ne tient pas financièrement, ça ne tient pas d'un point de vue organisationnel. On rassemble plusieurs chorales, plusieurs collègues, ils bossent ensemble, c'est tellement plus simple, et voilà le résultat. Donc je vous remercie pour cette intervention. Après, il faut des musiciens qui nous accompagnent. Alors, cette équipe, ça fait depuis tellement de temps qu'on bosse ensemble. Hein, voilà, David, à l'année prochaine ici même. Hein, si on n'a pas de problème sanitaire, de toute façon, tu sais ce qui t'attend. Comme chaque année, David Buffon. Danilo qui vient le remplacer, mais il est complètement zappé. Danilo Rodriguez! Maintenant, on va prendre quelques secondes
pour respecter le mieux et respecter la personne qui peut me couper le claquet là tout de suite. Alors il s'avère en fait que le régisseur ici, c'est Stéphane Ménet, et que je connais pas le régisseur qui vient le remplacer aujourd'hui, mais je le salue quand même, merci. Merci à l'Astrée de nous accueillir. Un petit remerciement un peu, tout petit peu plus personnel, mais bon, j'espère que chacun pourra en profiter. Il s'avère que ça a été filmé dans de nombreux endroits. Donc je remercie toute mon équipe technique de l'association Clément Zip Tous à la Musique. Il y a Gaël, il y a Antoine là-bas, il y a Anthony qui se cache là-bas et qui joue les images. Merci. On va essayer de faire vite pour les gens. Après, il y a tous ceux qui sont dans l'ombre, hein, ceux qui travaillent derrière, qu'on ne voit pas. Alors, c'est tous les collègues d'Arcis qui sont dans ce cadre-là. C'est tous les autres volontaires en service civique de l'asso Clément Zip qui m'ont aidé cette année. Je pense à Naomi. Donc, elles sont cachées derrière à chanter pour aider les chanteurs. Et pour finir, on va les remercier eux. Avec des dons, chaque fois qu'elles en ont besoin. Merci à vous, bravo à vous.